So our seventh edition of the festival is open with the nice words of Gheorghe Mervishvili from Tbilisi. And I want to welcome all of you in French with a brief introduction. C'est déjà notre septième édition du Festival international de films documentaires après Varan. Bienvenue, bienvenue à vous tous à notre festival online. Le festival est évolué grâce à vous, réalisateurs, monteurs, producteurs, distributeurs. Vous qui avez passé un moment de notre parcours aux ateliers Varan. Vous qui étiez en Géorgie, au Vietnam, en Afrique du Sud, en Bolivie, en Serbie, au Portugal, aux Philippines et ailleurs. Aujourd'hui, vous êtes des professionnels confirmés. Et c'est en programmant vos films que nous avons pu faire évoluer notre festival. Notre festival a aussi évolué grâce à vous, spectateurs, fidèles. C'est ainsi qu'il grandit année en année, ici en France comme à l'international. Grâce à vous qui nous soutenez dans nos actions. Au fil des projections, nous avons créé une famille culturelle, une famille internationale, un réseau solidaire international qui nous unit à travers nos échanges. Même avec Zoom à distance, nous sommes ensemble et proches. Aujourd'hui, après Varan sur la route de Jean Rouche, est devenu en effet un réseau fiable et solidaire qui réunit des professionnels de l'audiovisuel ayant fait leur premier pas aux quatre coins du monde dans cette école fondée par Jean Rouche. Jacques Tartuy, Jean-Noël Christiani, André Vanine et quelques autres. 9 ans de projections et 7 ans de festival. Plus de 200 projections et débats. Vous trouvez tout cela en ligne sur notre blog aprèsvaran.org. Nous avons tenu à garder la trace des entretiens et des moments d'échange sur notre blog, qui est aussi une vitrine pour chacun de vous et une richesse pour nos rencontres. Le festival, le ciné-club, les soirées à thème sur l'écriture, sur le montage et sur le son ont montré une diversité de formes au sein des créations cinématographiques, de celles et ceux qui ont fait du cinéma leur métier après leur passage par Varan. Notre richesse est basée sur la diversité des regards en création. Aujourd'hui, en cette septième édition, plus que jamais, nous souhaitons le confirmer. Comme dit André Vanine, un des membres fondateurs de Formateurs de Varan, nous avons fait des enseignements avec un engagement et nous sommes fiers de voir ces anciennes stagiaires créer leur cinéma. Il y a aussi une autre ambition dans notre pratique, celle de rassembler solidairement dans un réseau les réalisateurs formés aux ateliers Varan, en particulier celles et ceux qui continuent à créer des œuvres cinématographiques, quelle qu'en soit la forme documentaire. Par ailleurs, notre festival est une forme, il ramène le passé vers l'avenir. C'est une forme de passe, de devenir, un lieu de retrouvailles avec la famille des réalisateurs et des formateurs qui souhaitent suivre l'évolution de leur ancienne stagiaire devenue cinéaste. De même qu'entre nous, tous qui découvrons chaque année les nouvelles créations de nos collègues. Je vais vous raconter un peu l'historique très rapidement. C'était il y a 9 ans, en sortant de la formation de Varan, que nous avons eu l'idée de créer une association des anciennes stagiaires de Varan et puis un festival associatif regroupant de nouvelles œuvres cinématographiques et audiovisuelles réalisées par nombre d'entre nous. Les deux associations ont donc été créées en 2012 par les membres fondateurs Leonardo Antoniadis, photographe et réalisateur. Yael Levan, réalisatrice et monteuse, et moi-même réalisatrice. Nous étions tous encouragés par le président d'Atelier Varan, Claude Guizard, suivi par Marie Bonnel.
C'est aussi, je dois remercier particulièrement Manon Blanc-Fumet. C'est grâce aux coopérations actives de Manon Blanc-Fumet, administratrice, Julien Guillon et Chloé Ultric, chargée de communication et de développement, et Fred Coeff, formateur, que notre festival a pu prendre ses ailes. Un grand merci à notre chère Corinne Bopp, déléguée générale des rencontres de cinéma documentaire, qui dès la première édition a formé notre regard sur la question de la programmation et pour le développement du festival. Chaque année, de nombreux formateurs nous informent sur les films des anciennes stagiaires. Nous remercions particulièrement Jean-Noël Christiani, qui Georgie connaît très bien, qui a été en Géorgie, André Vanin, Yves de Peretti, Daniel Dehé. Les cinéastes et formateurs comme Claire Simon, Mariana Otero, Elisabeth Kapnitz, Sylvain Dampierre, Marie-Claude Triou, Aurélie Ricard, Frédéric Goldbron, Catherine Bizerne et beaucoup d'autres ont toujours été à nos côtés. Et puis, nous avons réuni autour du festival des institutions, des fondations et d'autres festivals, ainsi que des producteurs et distributeurs qui ont apporté leur regard et leur soutien aux films que nous avions sélectionnés. La Fondation Jean Rouch et sa présidente Jocelyne Rouch soutient particulièrement notre festival et les créations des anciens de Varan. La SCAM, avec la bourse Brouillon d'un rêve, nous encourage à avancer dans l'écriture de nos scénarios. Chaque année, nous donnons un écho particulier aux films ayant obtenu cette bourse. La sixième édition, dans laquelle est partie Georgie, qui nous a tellement bien parlé dans son introduction, a dû se faire online, hélas, pour contourner le confinement lié à la COVID. Mais nous avons alors profité de cette contrainte pour inviter des festivals internationaux de Géorgie, de Portugal, d'Italie, d'Espagne, de la Serbie, du Brésil, même que des plateformes internationales. C'est à la suite de cette programmation que plusieurs films de notre sélection ont circulé et sont partis des chez des distributeurs internationaux. Notamment le film de Georgie et le film de Loredana ont attiré beaucoup d'attention des distributeurs. Pour cette septième édition du festival, nous avons invité des directeurs de festivals internationaux, des programmateurs, des directeurs de cinémathèques et des ciné-clubs à voir les films sélectionnés. Chacun de ces invités pourra adresser une mention à un film. Celle-ci sera transmise au réalisateur à la fin du festival. Nous clôturons le festival par une table ronde entre les réalisateurs avec cette triple question. Pour qui faisons-nous nos films? À qui s'adressent-ils? Et pourquoi les faisons-nous? Enfin, nous prolongeons cette septième édition organisée en ligne avec une reprise des films de festival sur quelques plateformes internationales réputées de documentaires. Je souhaite remercier particulièrement trois formateurs de Varan qui ont bien voulu nous soutenir dans cette septième édition. Daniel Dehé, qui fera l'inauguration du festival avec un propos sur l'éloge du son. C'est Daniel Dehé qui avait inauguré la première édition du festival avec ces mots sur l'éloge du son. Cette première édition du festival était consacrée au son. Daniel Dehé est réalisateur sonore, a travaillé durant plus de 40 ans dans le cinéma, le disque et le théâtre. Et il nous accompagne depuis 7 ans dans nos éloges sur le son. Nous sommes honorés de sa présence à cette septième édition. Nous voulons aussi remercier Jean-Noël Christiani, qui chaque année envoie vers nous des nouveaux réalisateurs. L'année dernière, c'était Georgie qui nous a présenté Jean-Noël. Et cette année, toute la programmation de dimanche soir, avec deux portraits retraçant les combats différents d'un homme et d'une femme politiquement engagés, c'est Jean-Noël qui nous les envoie. Merci Jean-Noël. Et nos chers André Vanin et Chantal Roussel, qui nous encouragent à faire évoluer le festival et nous adressent des films de réalisateurs vietnamiens. Leur présence chaque année nous réchauffe le cœur. Nous espérons que le festival après Varan s'internationalisera plus encore, avec des antennes, des projections, des débats que nous tâcherons d'ouvrir un peu partout dans le monde. Merci, chers tous.
Nous sommes prêts pour la préparation du prochain festival où votre participation sera la bienvenue. Nous vous attendons nombreux. Merci beaucoup. Merci Georgi de m'avoir accompagné pour présenter et on peut dire que la 7e édition est ouverte. Bienvenue au Festival international du film documentaire Après Varan. Je vous propose, si vous voulez bien, pour aborder cette 7e édition, de faire un pas de côté vers ce qu'on appelle les arts vivants. Voyons ce que nous pouvons en tirer. Dans son dernier spectacle, Mère, qui relève du documentaire au théâtre, le metteur en scène Wajdi Mouawad nous présente un formidable exercice de narration censé reposer sur la mémoire personnelle, qui, comme chacun sait, a toujours raison, mais qui ne fait en réalité qu'inventer du récit. Il nous révèle comment une reproduction d'un tableau de Cézanne dans un petit meublé parisien, où il a vécu en exil avec sa mère et ses frères et sœurs, tandis que son père vivait sous les bombes, lui a servi de cadre pour échapper au destin tragique de l'enfermement familial dans la guerre du Liban, avant d'être expulsé de France et accueilli comme réfugié au Canada. L'appartement du 15e arrondissement donnait sur le métro aérien, tandis que le Cézanne accroché au mur, l'unique tableau de cet appartement, ouvrait l'imaginaire vital de l'enfant libanais qui n'avait pas même l'idée que la peinture soit un art et qu'elle a une fonction. Pour nous aussi, le film documentaire est un art et il a pour fonction de donner un cadre à des récits qui nous font échapper au matraquage par lesquels nous sommes tous et toutes uniformément parlés, comme dirait l'écrivain Lydie Salver. Uniformément parlés, mais terriblement désunis de nous-mêmes et des autres. Je forme le vœu que ce 7e festival après Varan, contraint à la programmation en ligne en cette 5e vague de Covid, construise entre nous le récit qui nous manque. Cảm ơn. Vigilant, I'm the keeper of my life. Vigilant, I'm the keeper of my soul. I come back to the soul, I'm breathing again. C'était une époque où dire vive la France, c'était... ça voulait dire autre chose que maintenant, quoi. On le ressent pas quand on est possédé par quelqu'un.
c'est les personnes autour de nous qui le voient. Nous, on s'en aperçoit pas en fait. Tu veux.